Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une petite carte pour une copinette et qui sera aussi dans un partenariat Craspir. Hein. Donc, j'ai préparé un. Comment? J'ai fait un tamponnage à la Versafine et j'ai fait ce tampon-là à l'aquarelle. Je suis venue découper, c'est du papier un peu, comment dire, alors, je vous donne pas les mesures, hein, parce que moi je l'ai fait en fonction du tampon, enfin pour celles que ça intéresse éventuellement je veux bien les donner. Donc là j'ai fait 12 et en bas j'ai fait 18,3. Ah, d'accord. Donc ici, j'avais envie de mettre de la twine. Alors, je sais pas parce que c'est la première fois que je fais ça. Alors, je vais mettre de la twine. Hop. J'ai mesuré pour faire 3 tours en fait. Hein, voilà. Et donc. Je vais venir faire un petit nœud ici. Voilà. Voilà. Donc, je vais un petit peu écarter mes morceaux de twine pour que ça fasse un petit peu plus joli. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, là, je vais couper. Là, je vais couper. Alors, en fait, le but, c'est de venir mettre un petit cachet. Ah, attendez. Je vais mettre un petit cachet à ce niveau-là. Donc, je vais allumer mon. Ah mince, peut-être que. Voilà. On va laisser chauffer un petit peu. Bon, ça ne sert pas à grand-chose que je mette ça, mais bon. Oh là. Il aurait peut-être fallu que j'en mette un autre. On va laisser, on va bien voir. Il me faut le cachet. Donc le cachet, c'est une enveloppe avec des petits cœurs. Et il me faut oh, je vais prendre celui-ci. Ouais, je crois que je vais prendre un autre. Ouais, j'ai pas l'impression que ça chauffe beaucoup. J'aurais peut-être dû l'allumer avant. Ce que je vais faire pour gagner un petit peu de temps, c'est que je vais coller ma carte sur mon fond de carte. Non, je pense que je vais changer le. Voilà, parce que là, la mèche est toute petite et. Je m'excuse, je vais aller chercher une autre mèche. Bah, j'en ai là. Hop. Je suis désolée pour ce petit contretemps. Alors, je vais mettre ça et je vais mettre
Donc, je vous mettrai les références hein, de ces articles. J'en mets trois. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, pendant que mes petits cachets vont fondre, je vais venir coller ça comme ça. Voilà. Bon, après, hein, vous pouvez le faire avec n'importe quel tampon pour n'importe quelle occasion. Moi, c'est pour fêter l'anniversaire d'une copinette et ça me permet de faire en même temps mon partenariat. Hein, parce qu'il me restait juste ça à faire. Là. Donc. J'aurais pu mettre aussi du scotch 3D. Enfin, du... Oui. Voilà. Voilà, je vais peut-être mettre un petit peu de... Pour bien tenir. Hop. Hop là. Non. Là. Là. Et je vais en mettre un de chaque côté. Voilà. Enfin, histoire de consolider un petit peu... Que là vous le voyez pas hein, comme c'est du papier aquarelle de chez Action mais que je mets à l'envers pour pas avoir les effets de comment dire granuleux un petit peu hein. Donc le fond je l'ai fait d'un beige très très pâle hein. J'adore tamponner ces petits tampons là c'est tamponner et mettre en couleur ces petites choses. Donc là, il faut pas que je me trompe, il faut que je le fasse dans ce sens-là. Comme ça. Voilà. Voilà. On va attendre un petit peu que la cire chaude refroidisse. Je pense que je vais en remettre toutes. Je vais en refaire quelques-uns d'avance. Hop. Donc là, je vais en mettre que deux parce qu'il en reste dans le fond. Donc mon cachet, il aura une forme un peu spéciale avec les... Mais bon, c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est que...
Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir y mettre un petit peu de d'argenté. Sur les petits... sur les petits cœurs. Voilà. Parce que je pense que le doré n'aurait pas été très très approprié. Voilà. Donc, je vais laisser ça fondre un petit peu plus loin. Et puis, donc à ma carte, il me reste juste à lui mettre un petit bon anniversaire. Donc, heureux anniversaire. Donc, j'en ai un là. Je ne sais pas où je vais le mettre, en fait. Est-ce que je le mets en haut, ici? Ouais, je vais le mettre là. Lui, par contre, je vais peut-être le mettre en 3D. Donc là, je vais le mettre comme ceci. Heureux anniversaire. Et je vous montre ma petite carte avec mon cachet, avec mon sceau, une envolée de cœurs qui sortent d'une étoile. Et donc, il va partir chez une copinette qui va le recevoir bientôt. Bon, ben les scrappeurs et les scrappeuses, je vous dis à bientôt. Au revoir.